Comme j'ai dit, donc on continue, Be'ezrat Hashem, Peleyoetz, Ava, l'Akadosh Brou. Donc on est dans des notions importantes. Léov et Hashem, aimer Dieu. On avait dit que c'était la première mitzvah que le Rambam compte. Léov et Hashem, aimer Akadosh Brou. On a vu comment, pourquoi, quoi. Là on est Michamat Atzmo, donc aimer Dieu par rapport à soi. Et on avait dit que donc aimer Akadosh Brou, c'est quoi, hein? C'est facile en vérité, lorsque tu vas comprendre, avoir conscience de tout ce que les bienfaits que Dieu il te donne. Et il t'octroie tous les jours, tous les jours. Est-ce qu'il y a plus grand et plus beau que la vie, Bichlal, la vie? Si je te demandais quel est le plus grand cadeau que Dieu t'a fait, c'est quoi le plus beau cadeau? C'est la vie, c'est la vie. c'est la vie elle-même, d'accord? Donc ça, c'est Michamat Tassmo. Il dit comme ça, Ulfi Ha'emet, Ma Sheyesh Lismoach Al Tovot Olam Hazeh Ve'al Hatzalot Min Ha'raot Hu, Ki Be'emtza'ut Ha'chaim Ve'atov Nuchal Lagi Al Ha'tova Ha'gdola, Shil Avod Et Borenu. Il dit, c'est ça que tu vas avoir dans ta tête. C'est que, selon le Emet, en vérité, pourquoi est-ce que tu dois, Rabbi Michael, être heureux, content de tout ce que Dieu il te donne, tous les moyens que Dieu il te donne, et toutes les fois où Dieu il t'a sauvé, toutes les fois où Dieu il t'a sorti de ta mouise, toutes les fois où Akadosh Baruch Hu il t'a protégé, toutes les fois où Akadosh Baruch Hu il est omniprésent. Pourquoi? Pourquoi tu dois être sa mère de ça? Parce que tu vas comprendre que tout ça, en vérité, c'est qu'un moyen. C'est qu'un moyen. Un moyen de quoi? De pouvoir be'emet, vivre. Vivre. Et arriver, il te dit à quoi? La guia, la tova, agdola. Et c'est quoi la tova, agdola? L'abord d'être borénou. De pouvoir servir Dieu. Tu comprends ce que ça veut dire? Tout ça, en fait, ce sont que des moyens. La femme que Dieu te donne, Baruch HaShem, et qui est là pour te soutenir. Le travail que tu as, qui te donne la parnassa, Baruch HaShem. Et lorsque tu as failli te faire avoir par un associé, et grâce à Dieu, HaShem, il t'a sauvé, que tu as vu dans le truc qu'il avait fait une embrouille. Ou quand tu as fait un contrat, tu as vu l'embrouille de machin, et que ça t'a sauvé, si tu avais signé, tu aurais été dans la dope. Anilodea, tu vois. Tout ça, c'est à quoi? Almatrelismoir. Sur quoi il faut que tu te réjouisses? Sur le fait que, non. Ça, c'est qu'un moyen. C'est que grâce à ça, maintenant, quand il me fait ça, pour pouvoir le servir. Tu vas raconter une anecdote. Mon tzaddik. Une fois, quand j'étais à Jérusalem, je devais déménager. Je devais déménager. Bref. J'avais rien. J'avais rien. Ça, j'avais pas de lit. J'avais pas de table. J'avais pas de canapé. J'avais pas de bibliothèque. J'avais rien. J'avais rien pour. Alors, je dans une maison, mais j'étais vide. J'avais bon crochet à mon machine à laver. Voilà, j'ai une machine à laver, j'avais un frigidaire. C'est tout. J'avais rien. J'avais rien. Enfin, j'ai l'image, je dors quelque part, quoi. J'avais des matelas. D'accord, j'avais rien. Et moi, je vous dis ça. Et ma mâche, quelques 10 jours avant le déménagement, pardon, je reçois un coup de fil. Et c'était un couple, quoi, une famille, qui avait fait un an avant son alia de France. La femme n'avait pas supporté. Ils sont retournés à Paris, mais ils avaient tout acheté neuf. Hein. Tout était neuf. Ils ont habité en Israël, un an. Même pas si on finit l'année. Je crois 10 mois comme ça. Parce que je faisais des cours privés à un de ces. Il y a 20 ans, cette fois. Il y a 18 ans. Un de ces gosses, je faisais cours privés. D'accord? C'était deux mois de garantie. De Torah à Torah. Comment? C'était deux mois de garantie. Ah ouais, pratiquement. Et donc ils sont retournés en France. Et quand ils sont partis, bon, ils ont mis tout ça dans un garde-meuble, quoi. Ils n'ont pas laissé. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent avec tout ça? Ils n'ont pas eu le temps de s'occuper de tout ça. Ils ont tout laissé comme ça, tout. Bref, et il m'appelle d'où? Et il m'a dit, voilà, j'ai appris que vous avez déménagé et tout ça, machin et tout. Regardez, on a une maison complète. Une maison complète, tout, il y a tout. Mais bon, on ne savait pas quoi, comment, machin et tout ça. Ça vous ferait très plaisir si vous le prenez. Je ne vous ai même pas tout. Tout, quand j'ai tout, ils avaient tout. Et Blainara, en plus, ils avaient acheté des trucs Blainara. De fou, quoi. La marque, quoi. Vraiment un truc super. Pas pour la marque, mais pour la qualité. Des trucs vraiment de qualité, tout ça. Et bon, prochain. Je me rappelle, j'étais parti. Lui, il était venu. Il était venu en Israël. Pas que pour ça, mais il était venu pour ça. Pas que pour ça, mais on était venu. On était allé pour ça dans le garde-meuble. J'étais avec lui. Il m'avait dit, qu'est-ce que tu veux de mon truc? Il m'a dit, tu peux tout prendre. Bon, il y a des trucs que j'avais pas pris parce qu'on n'avait pas besoin. Il y avait tellement de choses, Blainera. J'ai eu canapé, table à manger. Nouveau frigidaire, nouveau machine qui était morte,
lit pour les enfants, lit pour moi, ma femme, tout, tout, la maison complète. Pour te dire, et même il m'a envoyé des trucs, et je te raconte même pas que c'est même pas moi qui ai payé le déménagement, ouais, pour te dire. À l'époque, j'étais à vrai, tout ça, rien. Ils sont venus avec des containers. Et pour dire qui l'a fait venir, c'est ceux qui font les cadres là. Mmh. Comment ils s'appellent? Alba. Non. Sonigo. Non, Sonigo là. Ouais, Sonigo. Ah, ils sont venus avec des trucs, des machins. C'était un container. C'était un container. Quand on est arrivé là, c'est un container. D'accord. Maintenant, pourquoi je lui dis ça? Bon, d'abord, c'est voilà, c'est la main d'Hachem, c'est un cadeau d'Hachem. C'est extraordinaire, ma mâche. Mais je me rappelle toujours la sensation que j'ai eue. C'est que t'es quoi? C'est pas parce que j'ai reçu un canapé, un frigidaire, un... ça va d'ailleurs, bon, Hachem, c'est extraordinaire. C'est pas ça du tout. C'est de voir la main d'Hachem, le baiser d'Hachem, de voir, tu vois, c'est pas le, c'est voilà, Hachem, il m'a donné la possibilité de pas galérer, de pouvoir toujours continuer. J'étais à Brech à l'époque, j'étais au collège, de pas pouvoir me prendre la tête, dormir à paix. Je me dis, comment faire, les enfants par terre, moi par terre, on a rien, on avait rien. Tout est clair, tu peux aller étudier, mon fils, tranquille. Et c'est ça la beauté, tu comprends ce que je veux dire? Et comprends que tout ce que Dieu il te donne, c'est un moyen. Tout ce que Dieu il te donne, c'est un moyen. Donc tu ne dois pas être heureux du fait que tu as eu la chose en tant que telle. En tant que telle, ce n'est pas la chose elle-même. Tu vois, c'est le résultat d'eux. C'est que Hachem va te laisser moyen parce qu'il aime ta voix d'attaché, parce qu'il aime que tu le serves, parce qu'il veut que tu le serves. Il va te donner moyen de servir de manière, la meilleure manière possible. Et fais attention à ça. J'ouvre une petite parenthèse. Regardez ce que je viens de dire, c'est tellement vrai. Ne méprise pas à ce moment-là aussi les moyens que Dieu te donne. Parce que nous, on peut tous croire qu'on aime Hachem. On peut tous... Combien de fois, Manifouf? Beaucoup d'anecdotes. J'ai une autre anecdote. Des fois, tu te dis, on n'a pas le même Dieu, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas Kadosh Baruch Hu. Des fois, on croit qu'on sert Hachem, mais en vérité, on sert à une autre entité qu'on s'est créée nous-mêmes dans notre tête. Et on va voir comment je sais que je sers Kadosh Baruch Hu. J'ai une autre anecdote. Des fois, tu vois, tu dis, c'est pas possible, il sert pas Kadosh Baruch Hu, c'est pas possible, il a la barbe, est-ce que tu veux, c'est pas. Quand je devais faire entrer mon fils aîné au Cheder, au Talmud Torah, alors aujourd'hui c'est un peu moins, même si encore ça existe encore, mais il y a 18 ans, 20 ans, c'était comme, c'était très compliqué. Si tu veux faire entrer ton fils dans un cheder ashkenaz, fallait très compliqué, machin, c'était bref. Et il y avait un cheder là-bas, Béligan, qui était très bien coté, très bien, tu vois, vraiment bien et tout ça. Et donc moi au départ je voulais le faire entrer là-bas. Et donc j'avais rendez-vous avec le directeur... le rame directeur, on va dire. Et je rentrais tout, il me dit alors ok, vas-y, je commence à parler, d'où je viens, un truc, excellent, je mets le paquet sur Rafaikin, tu vois, machin, moi, Ashkenaz, machin, bref et tout. Tout se passe bien. Ah, mach, je raconte, Rafaikin, machin, Raveil, machin, oh, tu vois, je suis dans le move, quoi, tu vois. Je suis dans le move. Non, je suis dans le move. Je viens pas de nulle part, machin, entre guillemets, tu vois. Bref. Et je m'en rappelle toujours. À un moment donné, le gars, il est comme ça sur son bureau, il se lève. Il vient à côté de moi comme ça, il m'attrape par l'épaule, il me regarde comme ça, je dis, qu'est-ce qu'il veut, quoi, je dis, comment ça, non, pas... non, il m'attrape comme ça, il me dit, t'es derma, anioé votre. Il m'a dit cette phrase, il m'a donné le papier pour inscrire mon fils, machin, je devais aller après le donner au secrétaire, tu vois. Je suis sorti, j'ai pris le papier, je l'ai déchiré, j'ai pas mis mon fils là-bas. Ça va pas, non. Ni où est votre aime? Je suis quoi? Je suis un immigré clandestin de Zimbabwe? Nous, les Sfaradim, Kilou, tu sais, je vous aime bien, vous. Miaou! Non, pas pâte. Je dis, mon fils, je vais le mettre dans un. Mon fils, je vais le mettre dans un truc pareil. Dans un truc pareil, j'ai mon fils. Et après, j'ai été voir un autre rap, machin, Sfarad, machin, parce qu'il m'a dit, bon, je vais appeler le rab un tel, parce que je lui ai dit, qui tu connais comme rabbinim? Je lui ai dit, alors, je connais ce rab là. En fait, il n'a jamais appelé. Je vais le voir, mais je l'ai appelé. Des mythos, des menteurs, des. Mais les mecs là, ils prient qui font quoi? C'est quoi ça? T'as pas le même Dieu, quoi? D'ailleurs, je lui dis, mais tu pries qui quand tu fais mitra? T'es un mytho, t'es un menteur. T'es un menteur, dis-moi, tu veux pas, moi j'ai pas de problème avec ça, il y a d'autres endroits. Pourquoi tu fais le menteur? Pourquoi t'es un menteur? Pourquoi tu me prends par l'épaule, on dirait que je suis un singe de la troisième. Comment c'est ça? Rite, dégueulasse! Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, des fois, on pense qu'on prie Dieu. On pense qu'on sert Dieu, mais en fait, tu t'es inventé un Dieu. Et pareil pour Ravat Hachem. Parfois, tu vas croire que tu aimes Hachem et que tu sers Hachem et que tu fais tout pour Hachem. Et en vérité, attention, c'est violent ce que je vais te dire. Mais t'as assis, parce que t'as une très belle pochette. J'aime beaucoup ta pochette, ça dit. Ce qu'on a dit hier, Zekeli Van Veu. Écoute, regarde ce qu'il a. Zekeli Van Veu. Regarde comme c'est beau. Zekeli Van Veu. On a fait là le courrier. C'est mon Dieu, je l'embellirai par les mitzvot, kol hakavod. Mais c'est violent ce que je veux dire.
Parfois, tu crois que tu sers à Kadosh Baruch, ouais, et que tu aimes Hachem. Et en vérité, tu es complètement à côté de la plaque. Ni tu l'aimes, ni tu le sers. Pourquoi ? Si tu rejettes les moyens que Dieu t'a donnés. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. Tu rejettes les moyens que Dieu t'a donnés. Les moyens, ça peut être, comme je viens de dire, l'exemple que je viens de te donner là. J'ai reçu tatati tatata, d'accord ? Mais plus que ça, il est plus proche que nous, mon Rabbi. Rabbi Aaron, c'est de quoi je parle. Belaïnara, il a cette. Ah, Belaïnara, il est fort, il est fort. Il est sensible, il est sensible, il est sensible. Il est sensible, Rabbi Aaron. Si tu méprises ta femme. Attention, on peut des fois parfois avoir des disputes, des machins ponctuellement, et grâce à Dieu c'est même baril pour le couple, hein. C'est bien des fois de mettre les choses au clair. Mais je parle que quand c'est récidiviste, t'as toujours les mêmes lourdeurs, les mêmes reproches. Vice versa, bon, on parle de ça parce qu'on est des hommes, comme je vous dis tout le temps, mais des fois c'est elle qui est irtika oblida, tu vois. Si elle maintenant elle est là, et pareil, tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends pas que ton mari c'est un moyen pour toi de. Je ne crois pas que ta femme, c'est un moyen pour toi. Tes enfants, c'est un moyen. Je vais le dire, je sais que tu seras bien, excuse-moi, mais ta belle-mère aussi, c'est un moyen. Qu'est-ce que tu veux faire? Voir le bien dans le mal, c'est comme ça. Bon, bref. Ok? Si tu méprises, Rabbi Michael, les moyens que Dieu t'a donnés, à ta web et ta chaîne. Toi, maintenant, tu vas décider qu'elle est. Tu vas décider qu'il est. Tu vas décider que ton fils, il est. En sadik. Ton fils, il est comme il est. En malas. Ton fils, il est comme il est. Toi, tu as donné ce maximum. T'as fait le maximum. Après, c'est pas entre tes mains. Mais fais attention de ne pas mépriser. C'est un mot dur. Mais, Baruch HaShem, grâce à Dieu, si ton fils il est vivant, ta fille est vivante, ta femme elle est vivante, mais il a du terme. Mais c'est qu'ils ont encore une mission à accomplir. C'est que vous êtes encore là. T'as encore à donner, t'as encore à recevoir, t'as encore à. Haine. Des fois, c'est pas facile, même dans le couple. Des fois, on a des conflits. Des fois, c'est compliqué. Elle me comprend pas. Il me comprend pas. On n'est pas un truc. On a du mal. Ah ben, ce sont les moyens que Dieu t'a donnés. Toi, tu vas prétendre maintenant Léob et Tachem, alors que tu méprises ta femme. Alors que ton fils, tu n'es pas capable de lui donner. Ta fille, tu es capable de lui donner, tu n'es pas capable de l'écouter. Faut l'éduquer. Faut communiquer avec ta femme, faut dire ce qu'on a, ok, dans le cœur, ok, il n'y a pas de problème avec ça. Alors, combien de temps tu vas mépriser? Il y a une différence entre mépriser et essayer d'arranger. Ça s'appelle la communication. Et quand tu fais la tête pendant 3 semaines, ou elle fait la tête pendant 2 semaines, ou le chémichement, ça c'est le truc, elle te punit. Elle te punit. T'as compris ce que je veux dire? Elle te punit. Ponctuellement, elle a le droit. C'est ma minéracha. Si elle n'a pas dans le cœur de truc et lui il a même, il n'a pas assez dans le cœur, ponctuellement, c'est pas une machine à. C'est pas un jukebox. Ponctuellement, mais pas c'est pendant 15 jours qu'elle te punit. Une fois, bon, parce qu'elle est. Tu l'as vexé. Après, ça y est, on reprend, on parle, on discute. Attention, c'est pas aussi ça rester limite. Mais tu comprends ce que je veux dire, Rabbi Rachamim. C'est hyper important de comprendre ça. Léhov et Tachem, on est dans aimer Dieu. Et comment tu peux prétendre aimer Dieu si à côté tu fais n'importe quoi? Si tu ne veux pas être Etsono. Quand est-ce que j'aime quelqu'un? Mais quand je fais ce qu'il attend de moi de faire. Mais si toi tu ne fais pas ce que Dieu il attend de toi de faire, ça s'appelle aussi Peladam Lachavero. On va le voir, bon, mais ça j'aime, j'ai un peu mis les chariots dans les bœufs, mais c'est pas grave. Peladam Lachavero. Mais la dame la chavero, c'est la personne avec son prochain. Comment c'est possible? Akadosh Baruch Hu, il veut qu'il y ait le shalom. Dans une synagogue, dans une entreprise, dans une maison, il veut qu'il y ait le shalom. C'est son ratson. Encore une fois, attention, parce qu'il y a un discours que je ne supporte pas. Et ce n'est pas là du tout les propos que je tiens. Faites attention, il y a un discours que je ne supporte pas, c'est que tout est beau, tout est gentil, et tu fais le canard. Non, ce n'est pas ça du tout les propos que je tiens, ce n'est pas ça. Des fois, il y a des problèmes pour régler les problèmes, c'est vrai. Je ne suis pas en train de. Attention, c'est pas en train de dire, vas-y, tu te baisses, tu te rabaisses, tu fais machin. Comment il appelle? T'adore. Comment il s'appelle ça? Le gardasse. Lévataire. Des fois, à force d'être lévataire, tu te pends, d'accord? C'est pas du tout le propos que je tiens. Même si des fois, badaille, des fois, il faut savoir faire de la différence. En fait, c'est pas ça du tout. Ah bah, tu dois chercher le shalom, quel qu'il soit. Et c'est quoi le shalom? Tu vas pas maintenant parce que tu es disputé. Elle s'est disputée, elle te fait pas manger pendant 15 jours. Tu peux faire ça. Tu peux te disputer avec ta femme, tu peux te disputer avec ton mari, tu peux tout ce que tu veux, mais il y a des choses que tu ne peux pas enlever. Entre guillemets, bêtement, c'est un peu bête, mais voilà, la femme, elle doit faire manger son mari, constipé ou pas. Le mari doit lui subvenir aux besoins de sa femme, discuter avec elle, l'écouter, parler, même si tu lui en veux sur quelque chose. Tu n'es pas resté comme ça pendant un truc, elle ne te parle pas, elle ne te fait pas manger, lui, il ne lui parle pas, il lui fait la tronche et le machin. Combien? Qu'est-ce que tu fais? Et toi, tu viens, tu prétends, Léo, mais ta chaîne. Vous savez,
et je terminerai avec ça aujourd'hui parce qu'on a une gemara à finir. Une des choses qui m'aide vraiment, 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 c'est une personnalité, je vous le partage, après faites ce que vous voulez avec, mais moi ça m'aide énormément. Chacun, il faut trouver son truc. Chacun, il faut qu'il trouve son truc pour dépasser certaines situations, que ce soit dans le couple, soit avec les enfants, soit n'importe quoi. Et là, je vous parle avec les enfants. Combien des fois tu prends des claques? Des fois, tu prends des claques. D'accord? Là, il ne fait pas forcément ce que tu veux, elle ne fait pas forcément ce que tu veux, des fois, ça manque de respect, des fois, tout ce que tu veux, d'accord? Et des fois, tu as envie de le tordre le cou. On est tous dans le même bateau, il y a fait même. Et moi, ce qui m'aide énormément à surmonter ça et à ne pas sortir de ma mida, et ne pas sortir et faire des choses que je regretterai après, ou dire des choses que je regretterai après. D'accord? Je pense à une seule chose. Tu sais à quoi je pense? Et moi, en tout cas, ça marche. Donc, encore une fois, je vous le partage. C'est que je me dis, regarde, la relation qu'on a avec le maître du monde, avec Akadash Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a appelé Akadash Baruch Hu? Avinu Malkenu. Avinu, c'est un papa. Et je me dis juste une chose. Est-ce que moi, dans ma vie de tous les jours, Bémet, je me comporte exactement comme Dieu veut? Combien de fois je lui mets des claques, Razvé Shalom, à Kadosh Baruch Hu? Combien de fois je lui fais des affronts? Combien de fois je ne fais pas ce que Dieu veut? Quand des fois je parle mal à ma femme, il n'est pas content. Quand ma femme parle mal, il n'est pas content d'elle. Quand des fois, d'accord, quand je regarde qu'il ne faut pas regarder, Dieu n'est pas content de moi. Quand quand je me comporte d'une certaine manière, Dieu n'est pas content de moi. Il a envie de pleurer, c'est comme papa, comme un père. Hachem, c'est un père. Et malgré tout, à Kadosh Baruch Hu, est-ce qu'une seconde il enlève son amour de moi? Est-ce qu'une seconde à Kadosh Baruch Hu, il a dit, regarde, t'as fait ça, je te donne pas ça? Une fois, jamais. Jamais. L'amour d'Akadosh Baruch Hu est éternel, infini et inconditionnel. Même si souvent il nous éduque. Badaï qui nous éduque. Aval, tu comprends ça veut dire? Je me dis que si Akadosh Baruch Hu est comme ça avec moi, Akadosh Baruch Hu se comporte mida kenegan mida. Il attend de nous les parents, par exemple, frères et nos enfants, d'être pareil autour d'Ava. Et donc quand je pense que moi je ne suis pas très clean avec lui et que malgré tout il me laisse encore, il me donne du crédit. Alors toi, tu vas pas donner du crédit à ta fille, à ton fils, à ta femme, à ton truc, à ton père, à ton père, ta mère, va d'ailleurs chez l'eau, ça n'a même pas de crédit, un peu de crédit, on parle pas de ça. Ça t'es soumis entièrement à tes parents. Et même si c'est pas dur, t'as envie de c'est pas compliqué, mais t'es soumis. Tu comprends ce que je veux dire? Rabbi Mordechai, t'as compris ce que je veux dire aujourd'hui? Oui. C'est hyper important. Des fois, on pense, mais Hachem, Léov et Hachem, avec qui t'aimes? T'aimes personne, t'aimes toi-même, t'aimes personne d'autre. Tu peux pas, c'est impossible. Tu peux pas aimer Hachem si tu restes qui oublie dans la maison, qui oublie avec les autres, c'est pas possible. Yevcha. Et encore une fois, si tu n'as pas conscience des moyens et tu chéris pas, les moyens que Dieu t'a donné, c'est pas aller au bête Hachem, tu dois chérir les moyens. Pas pour les moyens en tant que tel, parce qu'en vérité, c'est un baiser d'Hachem. Tu as la chance d'être marié, d'avoir des enfants, ta femme près de toi, elle est là, elle te soutient, et des fois elle ne te soutient pas, et des fois elle. Bah, au Hachem, ça fait partie de ta vie, tu dois construire, tu dois être là, tu dois être présent, d'accord? Et utiliser, pas les mépriser, c'est ce qu'on dit, pas les mépriser. Il y a une personne qui essaie de mépriser quelqu'un. Inconsciemment mépriser quelque chose et malheureusement il n'a pas après pu en profiter. C'était qui? David Damel, la Gemara dans cette brachot, on va le faire, mais Sartachem à la fin de brachot, sa mère bête, si je ne me trompe pas. La Gemara elle dit qu'à la fin de sa vie, David Damel, il ne pouvait plus, les vêtements ne le réchauffaient plus, les couvertures ne réchauffaient plus. Alors, il y a écrit là-bas qu'ils l'ont rajouté des vêtements, rajouté des couvertures, il était vieux et ça ne le réchauffait pas. Et plus il mettait, plus il avait froid. Jusqu'à qu'ils ont pris une jeune fille qui était à côté de lui et qui lui a fait, il a fait mais oh. Ok? Comment c'est possible? La Gemara dit pourquoi ça ne le réchauffait plus? Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose de thermique dans son. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit non. Pourquoi mida kenegan mida? Kol amevaze tabgadim, sofo shenon neena mehem. Tout celui qui méprise les vêtements, à la fin ne profitera pas d'eux. Et plus que ça, ça va se retourner contre lui. Comment? Lorsqu'il y avait Shaoul qui était devant la grotte, pour faire comprendre à Shaoul qu'il était là et que David Amelar aurait pu le tuer, il lui a coupé son menton en deux. Exact. Alors là, tu aurais pu faire autre chose. Tu as méprisé les vêtements? Alors après 120 ans, quand tu seras vieux, les vêtements, non seulement ils ne vont plus te réchauffer, mais en plus, ils vont te refroidir. C'est comme la femme, réserve kenegdo. Et tout ce que Dieu te donne, si tu ne sais pas avoir conscience et tu vas mépriser ce que Dieu te donne, les moyens que Dieu te donne, non seulement la chose, tu vas plus pouvoir en tirer profit, mais en plus, ça va se retourner contre toi. Donc fais attention de ne pas faire exactement cette chose-là. Ne méprise pas les choses que Dieu te donne. Si tu méprises les choses que Dieu te donne, non seulement tu ne pourras plus en profiter, mais en plus, ça se retourne contre toi. Donc, l'éhov et tachem, c'est l'éhov, c'est aimer surtout les moyens que Dieu te donne. Ta femme, tes enfants, ta maison, ton travail, tous les moyens que Dieu te donne. Il faut les aimer, pas pour le moyen en tant que tel. Savoir que c'est un moyen pour t'aider à le servir tranquillement, gentiment, dans le bonheur, dans la bonne humeur, dans la sifra behemet. T'as compris ce que ça veut dire? Donc, sortons de nos lourdeurs et prenons conscience des moyens que Dieu nous donne.